Salut Lolo. Super, et toi Max? Bah écoute, impeccable, hein. On est à Melbourne dans le Player Lounge. Il y a Tito Androgué juste devant nous qui attend sa navette. Tito, il me rappelle des souvenirs. Hop là, salut. Bon, je sais pas si on le voit derrière le truc. Il te rappelle quoi comme souvenir? Bah, il me rappelle un match à Barletta il y a quelques mois où on a joué plus de 3 heures. Ouais. Donc, il me rappelle surtout un gros mal de jambes, quoi, tu vois. Il fait quoi? Je m'en étais sorti, j'avais gagné 6-4 au 3ème, mais c'était dur. Ouais, j'imagine. Bon, là, on a fait un petit bilan juste avant de commencer cette interview. Est-ce que tu peux nous redire qui tu es, d'où tu viens et où t'en es? Je m'appelle Laurent Locoli, j'ai 29 ans, je suis né à Bastia, donc évidemment, je viens de Corse, pour ceux qui me connaissent pas. Et puis, actuellement, je suis 270e mondial et puis on va partir sur les qualifs du coup de l'Australian Open. Et tu as fêté tes 30 ans du coup en fin d'année, c'est ça? C'est ça, le 18 octobre prochain. Tu me disais que tu étais un jeune vieux. Et ça fait quoi du coup? Ouais, ça fait bizarre. Je vois beaucoup de joueurs maintenant, tu sais, qui sont de 2004, 2003, etc. Et moi, j'allais presque intégrer les pôles France à cet âge-là. Donc ouais. Du coup, c'est assez rigolo. Mais oui, je me sens comme un jeune vieux parce qu'il me reste encore quelques années à faire sur le circuit. Mais en même temps, il me reste plus 10 ans. Donc du coup, j'aime bien utiliser cette expression. Et du coup, physiquement, t'es comment après? Ça fait combien de saisons là? Là, ça fait. J'ai commencé le circuit, je devais avoir 16-17 ans. Donc ouais. Là, on est sur du 13 ans. Après, il y a eu l'année Covid, il y a eu l'année aussi où j'ai arrêté. Donc, je dirais que j'ai fait 11 ans plein sur le circuit déjà. Et donc, tant physiquement que mentalement, après 11 saisons à sillonner le monde, à perdre quasiment toutes les semaines au final, comment à l'intérieur? Il se passe quoi là-dedans? On est plein d'expérience. Après, on n'a plus la candeur de notre jeunesse où vraiment on est très. On réfléchit pas forcément, on profite de chaque instant. On est vraiment sur une autre étape de notre vie où on espère évidemment passer le plus de temps possible sur ce genre de tournoi parce qu'on joue pour ces tournois-là. Mais c'est différent de quand on est jeune où on est un peu foufou, on est content de voir tous les grands joueurs, etc. Aujourd'hui, vraiment, la plupart, pas je les connais personnellement, mais je les connais, on s'apprécie, on se check, on se dit bonjour et tout. Donc en fait, finalement, même si je n'ai pas été dans les 100 meilleurs du monde ou le top 50, mais il y a quand même pas mal de gars au final qui sont des grands joueurs que je connais parce que j'ai eu la chance de taper avec eux. Et en fait, ça fait quelques temps que du coup, en revenant sur les grands chelems, etc., qu'on se voit. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir côtoyer ce genre de gars. Et puis quand on est dans ce genre de tournoi, c'est toujours vachement enrichissant, même à mon âge. Ton meilleur classement, c'était quoi? 167, du coup, en mars dernier. Ah oui, c'est pas loin. Les mecs les plus connus, les plus sympas, tu trouves, c'est lesquels? Moi, je m'entends très bien avec Novak quand je le vois, vraiment, parce qu'on avait fait 5 jours ensemble à Calvi, où on avait tapé tous les jours. Quand j'étais jeune, il m'avait donné beaucoup de conseils, donc j'ai toujours gardé... Garder ça. Après, je dirais Stan aussi, avec qui j'ai passé un super moment à Monaco. On a tapé pendant 3 jours. Et surtout parce que c'est un énorme blagueur et qu'il adore charrier. Et comme moi, c'est pareil. Donc du coup, on s'entend bien là-dessus. Et après, je te dirais Benoît. Voilà, Benoît Père, avec qui on partage au niveau caractère pas mal de choses. On s'entend bien et il y a une belle connexion. Donc je te dirais comme ça, directement comme ça, je te dirais ces trois-là. Et on a un point commun, c'est qu'on a tous les deux passé des dizaines d'heures avec Monsieur Ralph Bogossian, l'homme le plus connu de Tennis Légende, avant même le fondateur. Meilleur souvenir / anecdote avec Ralph? Avec la Bogance, c'est son surnom. Avec ton ancien préparateur physique. Oui, donc du coup, moi avec Ralph, j'ai fait 2 ans et demi. Super mec, franchement, je me suis régalé avec lui. Je dirais que mon meilleur souvenir avec lui, c'est quand il savait pas et en fait, je lui ai annoncé qu'il allait venir avec moi à Roland pour les qualifs en 2022. Et j'ai vraiment vu un gars qui découvrait Roland un peu chez les pros, etc. Même s'il était déjà venu forcément plein de fois à Roland parce que c'est un passionné et que Ralph, il était déjà passionné de la balle jaune avant que je naisse.
Mais c'est vraiment quelqu'un où j'ai partagé des moments avec lui à Roland assez, assez fabuleux. Et surtout dans la prépa d'avant Roland, on s'est vraiment régalé. Et en fait, on a choisi une musique qui s'appelle Soirée Disco de Boris. Et en fait, c'est devenu un petit peu notre musique. Et en fait, dans les couloirs à Roland, moi, je mettais la musique à fond. Et en fait, je me mettais à danser. Et il me disait que j'étais complètement fou et que ça le faisait vraiment marrer. Et franchement, avec Ralph, on s'est bien marré là-dessus. Énorme. Le fil rouge de la semaine. Exactement. L'année dernière, ici, tu as vécu un truc intense. Déjà, magnifique qualification, parce que tu revenais de loin. Par où on va commencer ? Raconte-nous, même si on prendra un jour le temps de faire un épisode hyper complet, là, on est entre deux, tu as une navette dans 10 minutes, on ne peut pas tout faire. Dis-nous pourquoi déjà tu avais arrêté un an et est-ce que tu as vécu du coup l'année dernière ici en te qualifiant, plus le premier tour ? Fais-nous un petit film. Moi j'ai arrêté parce que financièrement j'arrivais plus à joindre les deux bouts. J'étais aussi à ce moment-là, du coup tout à l'heure tu me parlais d'un peu comment on se sentait intérieurement. À ce moment-là je me sentais un peu brisé aussi intérieurement. Financier plus plein d'autres trucs j'imagine. Ouais, financier, j'ai eu des problèmes perso graves dans ma vie aussi et qui ont fait qu'à un moment donné je voyais plus le bout du tunnel et j'avais cette envie de me rapprocher de ma famille, de me rapprocher des miens, de plus être sur les routes 40 semaines par an comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et j'avais cette envie de passer à autre chose. Et en fait, je suis passé de l'autre côté du rideau. J'ai entraîné pendant quelques mois un jeune joueur de Corse qui s'appelle Lisandro Rodriguez, que j'ai eu pendant quelques mois. J'ai pris énormément de plaisir à l'entraîner. Et puis en fait, après, on va dire au bout de 6 mois, d'un seul coup, en fait, c'est revenu. J'ai commencé à plus très bien dormir la nuit, à commencer à regretter peut-être éventuellement le choix que j'avais fait. Et en fait, j'avais cette envie de pouvoir vraiment progresser. Ça y est, je me fais déjà charrier, c'est terrible. Bon, il y a du beau monde. Charrier, là, c'est sûr. Voilà, là, il y a du lourd. Escartier, comment il va celui-ci ? Bravo pour Nouméa. Merci. C'est bon, ça. Ouais, c'est un mélange de plein de belles choses. Ouais, okay. Comme d'habitude avec tennis. C'est ça. Après, j'ai décidé de reprendre parce que ça m'a vraiment manqué d'un coup. Et j'ai clairement, à la fin, j'en dormais plus la nuit. Je faisais des crises de stress la nuit parce que je me disais que j'étais en train de passer peut-être à côté de vraiment de belles choses. Ouais. Et puis, après, j'ai repris et un an et demi après. De retour sur le circuit où je recommence à faire, j'ai fait 500e mondial, 220 en un an et demi. En fait, j'ai pu refaire les grands chelems, donc j'ai fait Roland, US, puis donc du coup ce fameux Australie de l'an dernier où en fait, je fais finale à Nouméa où je perds avec balle de match en finale. Je viens ici, j'ai peu de temps, il y a une petite anecdote aussi sympa, c'est que quand j'arrive en fait j'avais pris un Airbnb et à 1h30 il y avait une arrivée donc autonome avec le Airbnb et en fait il y avait un cadenas dans la rue avec toutes les explications et en fait le code de mon cadenas n'a pas fonctionné. Donc du coup je me suis retrouvé de 1h30 à 2h30 dans la rue en train de devenir dingue parce que je venais de faire déjà mes 12 heures de voyage pour arriver ici et mon cadenas ne marche pas, je peux pas aller dans mon Airbnb, je suis dans la rue et donc du coup je regarde les hôtels à proximité, le seul hôtel qu'il y avait c'était le Pullman. Ouais. Donc je me retrouve à balancer 200 boules pour aller à l'hôtel qui était juste à côté pour dormir 5 heures parce qu'au final après je devais partir pour m'entraîner. Et après, du coup, j'ai repris un autre hôtel, mais c'était une galère. Pourquoi le Airbnb, ça l'a jamais fait ? Ça l'a jamais fait. Le Airbnb ne l'a jamais fait parce que... T'as jamais répondu, les gars ? Non, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était en Asie, qui lui mettait tout en arrivée autonome. Et en fait, quand j'ai essayé de contacter les personnes, il était trop tard, il ne me répondait pas. Et du coup, je suis resté dans la rue et j'ai dû annuler mon Airbnb. T'as payé une blinde l'hôtel, non ? Du coup, j'ai payé une blinde l'hôtel parce que c'était last minute. Heureusement, j'avais 300$ de per diem par jour parce que j'étais sûr de faire les qualifs à ce moment-là. Et donc, du coup, ça, c'était pas trop mal. Pour la faire courte, j'ai changé, je suis allé dans un autre hôtel et après j'ai attaqué mes qualifs le lendemain contre Antoine Bélier, le Suisse, où j'ai gagné en 2-7. Ensuite, deuxième tour, j'ai joué Litou, un Australien d'ici, où j'ai gagné en 3-7, 6-1 au troisième ou 6-2 au troisième. Et au dernier tour, je joue Hoffner, qui fait une belle saison, qui finit l'année top 50, où je gagne 6-4, 7-6 en étant mené 5-2 au deuxième. Et donc j'arrive au premier tour où je dois jouer David Goffin. Finalement j'apprends 1h30 avant le match que ce ne sera pas lui que je vais jouer parce qu'il est blessé. C'était comment mentalement de jouer la Goff ?
J'étais content de le jouer. J'étais content de le jouer parce que je me suis dit ça va être un gros match et je sais que je vais devoir vraiment faire un super match si je veux avoir une chance de faire quelque chose. Mais j'étais content de jouer vraiment un super joueur comme lui parce que ça allait être vraiment une belle expérience. Et en fait, au final, je me retrouve à jouer le key loser Michael Moe. Et en fait, ça démarre très bien pour moi. Je mène assez rapidement. Je mène 6-3, 6-4, donc 2-7. Et j'ai le break au troisième une première fois. Je me fais débreaker. J'ai de nouveau le break. Je sers à 5-4 pour le match. Je fais pas. Et en fait, à la fin, je suis mené 5-0 au tie-break du troisième. Je reviens à 5 partout. On est interrompu par la pluie. On revient 3h30 après. J'ai une balle de match 6-5 d'entrée. Donc le match, il aurait pu être plié en 15 secondes. Et en fait, juste après, derrière, je perds le set. Je perds le quatrième. Je suis mené 3-1 au cinquième. On revient le lendemain et je perds 6-3 au cinquième. Dur. Elle était dure, celle-là. Mais... quelques mois plus tard, au dernier tour des qualifs à Wim, je l'ai joué et j'ai gagné en 5-7. La belle revanche, ça. Combien au cinquième ? 6-2. 6-2 au cinquième. Et là, c'est lui qui menait pour le coup. Et pas trop dans la suite de ta saison. C'est quand même, il y a quand même un gros gap entre premier et deuxième tour, ce tableau final en Grand Chelem. D'un point de vue financier, ça t'a pas trop pénalisé ? T'as réussi à gérer le truc quand même ? Non, j'ai fait une belle année parce que je me qualifie quand même deux fois en Australie et à Wim. Puis je fais troisième tour à Roland, donc ça m'a pas pénalisé, juste au niveau des points, où franchement là pour le coup ça m'a plus pénalisé parce que là pour le coup je serais rentré première liste en Australie plutôt que de galérer sur la fin et d'être rentré au dernier moment comme là c'était le cas, parce que c'est vrai que ça a fait un peu de buzz. Donc, du coup je suis venu ici pour tenter le fait de rentrer, mais j'étais 3 dehors ou 4 dehors à 4 journées de la fin du signing, et j'ai fini un dehors la veille du signing. Et c'était très très chaud, et nous on est parti quand même, on était en Thaïlande, on devait faire 3 tournois, et du coup on est quand même venu, on a pris notre courage à deux mains, et on s'est dit bon allez on tente avec Jonathan, et on s'est dit on y va, et finalement on est rentré last minute, quoi, 1h20 avant la fin du signing. Incroyable, et c'est un pari à combien, c'est combien de venir ici, et en gros tu perds combien si tu rentres pas? C'était un pari entre 3000 et 4000 euros. Voilà. Le mec a fait tapis et c'est passé. J'ai fait all-in, c'est passé, mais c'est ma mentalité, je dis toujours à mon coach, on n'a qu'une vie, il faut y aller à fond, il faut profiter. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion, quoi. On y va, on tente, et puis au pire, ça nous fera des souvenirs. Solide. Tu joues qui et t'es comment, là ? Je joue Federico Gaillot. Je suis très bien. Je suis content parce que finalement, moi, la pluie m'a bien arrangé parce que j'étais programmé aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai un jour de rab pour pouvoir bien préparer, en tout cas encore mieux. Et je me sens bien. Voilà, je suis frais. J'ai pu bien récupérer de mon voyage à Bangkok parce que moi, je suis arrivé quand même samedi. J'aurais pu jouer lundi. On est arrivé samedi très tard, on est arrivé à minuit. Et après, le temps de s'endormir, avec le décalage horaire, on a eu 10 heures de vol quand même. Donc, c'était long. Et donc, on est arrivé un petit peu tard, mais content finalement de te dire que bon, j'ai pu bien récupérer et je suis prêt à jouer. Qui est ton coach, en deux, trois mots, de ta nouvelle structure à Aix-en-Provence ? Alors du coup, mon coach, c'est Jonathan Canard, qui est juste là-bas. Là, il est dans le canapé, tranquille. Il m'attend pour la navette. Et donc, du coup, mon coach, c'est quelqu'un de très calme, qui pense énormément à moi, à ce dont j'ai besoin, qui vit vraiment, vraiment les choses à fond pour moi. Au dernier moment, on a monté ce projet à deux parce que c'était pas du tout dans nos plans. Et on l'a monté assez rapidement, et puis surtout il me dégage énormément de temps pour moi parce qu'il a quand même, il est dans son club à Saint-Cana, donc les après-midi il est dans son club, mais il m'a toutes les matinées quand je rentre, et puis après il fait 15 semaines avec moi sur le circuit, et c'est déjà énorme parce que bon, il est père de famille, il a deux enfants, donc il me consacre énormément de temps, et moi je dirais que sa plus grande qualité, c'est sa générosité. Voilà, c'est quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à lui. Et moi, je l'appelle un peu le Roumain du circuit parce qu'il peut dormir partout. Tu lui donnes un sandwich, il est heureux. Enfin, je l'ai fait faire des avions où il était au fond de l'avion. Enfin, il est incroyable, ce gars. Voilà, pas parce que c'est mon meilleur ami, mais c'est vraiment un mec en or. Génial. Je crois que tu es un TT, un tombeur sur le circuit. On va terminer là-dessus, d'ailleurs. Mais tu es en couple depuis maintenant à peu près 10 mois, je crois. Raconte-nous un peu cette histoire. Et qu'est-ce que ça t'apporte surtout ? Ouais, c'est quelqu'un de génial, voilà, qui est avec moi, qui me soutient tous les jours. Je suis quelqu'un de,
de très, je dirais, très intense au quotidien, où j'ai une personnalité vraiment forte, où je vis les choses profondément, émotionnellement. Et elle, c'est une fille qui est très douce, très calme. On a pris cette décision, voilà, d'être très discret sur notre vie privée, parce qu'on le vit très bien comme ça. Et elle aussi, c'est une fille qui est très discrète. Juste, on vit notre aventure dans l'ombre et de manière assez pudique aussi. Et on aime beaucoup ça, et c'est un vrai contraste avec la personne que je suis, que ce soit avec toi quand on parle comme ça en caméra, ou quand j'ai fait mon vlog pour raconter là mon aventure pour rentrer en Australie. Donc ça contraste énormément, mais ça fait aussi partie de mon caractère, où en dehors des caméras, moi je suis quelqu'un de très discret. Et c'est juste parce que c'est mon travail et parce que j'aime partager des choses. Mais c'est vrai que sur ma vie privée, je suis quelqu'un de très discret et qui n'aime pas faire de vagues. Et c'est quelqu'un qui m'apporte énormément. Donc comment tu gères, c'est beau ça, comment tu gères la distance, comment vous gérez? On gère, on fait, c'est pas facile, hein. C'est très dur. Après, elle va venir avec moi sur des tournois quand même, mais elle bosse beaucoup. Donc en fait, on se soutient énormément moralement, dans les aspects de son travail, dans les miens. Et ça, ça nous aide énormément à tenir. Et je pense qu'il y a surtout beaucoup de respect pour l'un comme pour l'autre. Et je pense que ça aide énormément pour tenir. Génial, bon match mec. Merci Max, et bon match à toi aussi, si tu fais un tournoi bientôt. T'as regardé le Cap d'Agde, toi. J'ai regardé. Allez, ciao. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description. Pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.